Daf Aïn Amoud Bet aux deux points. Alors je t'ai juste te remets dans le contexte. On est là, on est venu soir. Là en fait t'as un daf ici qui va te tracer. C'est l'histoire de. En fait ça a commencé Daf Samer Ket Amoud Bet en bas. On avait commencé à parler de l'histoire de Rabbi Yoshua Ben Hanina, donc Rabbi Yoshua, le fameux Rabbi Yoshua, qui est parti à Alexandrie. Et il s'est là-bas, les Alexandries l'ont enchaîné de questions. La Gemara dit qu'ils lui ont posé trois questions de Chorma, trois questions de Haggadah. Chorma, c'est, la Torah. Donc, trois questions sur les Sougiot, en l'occurrence, c'est ça le rapport avec notre Sougiot à nous. Donc c'était sur le lien de Zav, Zavanida. Donc tu verras un petit peu de quoi le sujet là-bas. Et trois questions de Chorma, trois questions de Haggadah, trois questions de Borout, de Shtuyot, et trois questions de Derecheres. Alors maintenant, on va voir les deux questions. On a vu trois questions de Chorma. Maintenant, on va voir les trois questions de Haggadah. Shosha du Ragada, donc Dafaïna Moudbet. Shosha du Ragada. 2.5 lignes à peu près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ème ligne. Voilà, donc Shosha du Ragada. Shosha du Ragada. Alors, déjà, moi, c'est quoi le Ragada? C'est des questions entre les Psukim. En tout cas, tu verras Omerien, parce qu'il nous dit Kilo Arfot, l'OR possible Motamet. Que je vous roue, ne désire pas la mort du mort. Que je ne veux pas que le Racha il meure. Ou que tu verras Omer, qui travaille Hachem la Amitam, Hachem il voulait les tuer. Il faut savoir, Hachem, il veut tuer ou il veut pas tuer? Il veut que le Racha meure ou il veut pas que le Racha meure? Kan Bosin Tchouba. Alors, moi, t'as dit Kan Bosin Tchouba, Kan Bosin Tchouba. S'ils font Tchouba, donc c'est clair que Kajboukou, il veut pas qu'il meure. Et s'ils font Tchouba, s'ils font pas Tchouba, Kajboukou, oui, il est frappé de la mitam, il veut qu'il meure. Parce qu'il veut plus qu'il y ait de Racha. Maintenant, si le moyen d'ailleurs qu'il y ait plus de Racha, c'est de faire tes Tchouba, donc Kajboukou, il convient aussi. Mais si ils font pas tes Tchouba, alors le seul moyen, c'est qu'ils disparaissent. Ça, c'est la première Divrei Agada. Deuxième Divrei Agada, c'est quoi le. Katovecha Domer. Kilo Issa Panim, Velo Ikar Shocha. D'accord, j'ai beaucoup. Il n'est pas Nosé Panim. Alors, Nosé Panim, c'est dangereux. Il ne gracie pas. Il n'a pas de. C'est-à-dire que Lo Ikar Shocha, quand il y a un zin, il l'applique. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de remise. Et dans le côté, il y a marqué que tu veux Katovecha Domer. Issa Hachem Panavelecha. Il y a marqué dans le Panim, on dit que Issa Hachem Panavelecha. Hachem, il est. Quand on ne sait pas ni mia, il fait des fois des remises. Alors, moi, si ça dépend. Quand Kodem Gverdin, quand la phrase Gverdin. Donc, Yoshua, il a répondu. L'Ifne Gverdin. Donc là, tu peux encore. Il s'appelle Hachem Panav. Il s'appelle Hachem Panav. Si c'est la phrase Gverdin, après, je voulais laisser le Zin. Ça y est, le Zin, il n'y a plus de remise. Quand on veut Khadomer, il y a un autre passage qui dit qu'il barra Hachem Metzion. Où allez-nous? Il va aller moi Chablo. Alors, qui va faire chez Mession, donc en tout cas. Ah, c'est pas celui-là, d'accord. Si, c'est celui-là. Ouais, attends. Si, regardez là. C'est ça. Alors, qui va faire chez Mession, il va aller moi Chablo. Non, c'est dans Yéchevod. C'est pas celui de. De Goalino, c'est Yéchevod. Puis non, mais Goalino, qui va faire chez Mession. Il n'y a pas d'entrée de Mession dans Goalino. Qui va faire chez Mession. Pas même du tout, Goalino. Hachem, il a choisi la ville de Yerushalayim. C'est lui qui a choisi, donc c'est une ville qui a été pré-choisie. D'un côté, il y a un marché, qui a la pive à la chamati aïta iradot. C'est à la pive à mon frère contre mon gré. Ça m'a mis en colère, c'est que cette ville-là a été choisie. Donc, bien entendu, Yerushalayim, on l'a imposé, c'est pas vu que quand Kadosh Baruch Hu l'aurait choisi pour faire résider Tashrina et pour mettre le Tamidash. Il faut savoir, Yerushalayim a choisi Yerushalayim ou il n'a pas choisi Yerushalayim. Alors là, on te dit, ça dépend. En fait, c'est avant que Shlomo HaMelech se marie avec la Bat Paro ou après que Shlomo HaMelech se marie avec la Bat Paro. Quand Kodem, je n'ai pas de bat paro, avant que je tombe en mer, je suis avec la bat paro. Donc il y a marqué que quand je suis en mer, je suis avec la bat paro, c'était. Je n'étais pas très content. Attends, et tu t'as sauté un paquet. Qui a la pive al Khamati Aïta Irazad, les Minayom Hachem. Shirbanu Ota Adayomane. Depuis le jour où ils l'ont construit. Ouais. Parce qu'en fait, le jour où ils l'ont construit, c'est. Je tombe, il s'est marié avec Bat Paro, si je ne me trompe pas. Le jour du Bat Amidash. C'est arrivé en retard, il y avait des étoiles là-haut. Donc. Alors là, que te dit la Gemara que quand Kodem Shnasa Hashem Moed Bat Paro, alors Kajbukhu était content de Yerushalayim, c'était un choix qui lui convenait. Quand la Kajbukhu Shnasa Hashem Moed Bat Paro, alors Kajbukhu il a dit qu'il a montré un mécontentement. Bon, ça c'est les trois choses de Haggadah que les gens d'Alexandrie ont demandé à Rabbi Yoshua. Ce que j'ai dit, Reborout, trois choses de Reborout, des chouettes. Bor, c'est quelqu'un qui connaît rien, non? Bor, c'est un truc d'Amaret. En Bourirechet. Alors. C'est plus qu'un Amaret. Hashem a dit que t'es Shtout, dit vrai Shtout. C'est plus qu'un amaret, c'est un beau. Ouais. Mais déjà qu'on a demandé des choses d'idiot. Tu vois, c'est quoi des choses qui veulent rien dire en fait. C'est des questions à deux balles. Des questions à deux balles, quoi. Alors il a dit par exemple, Istoshel Lot, la femme de Lot, qui a été transformée en sel. Statue de sel. Maouch Tetame, est-ce qu'elle est Tmea? Une question à deux balles. Moi, je comprends que c'est une question à deux balles. En vrai, on pourrait dire que c'est une question, hein.
C'est un petit peu le genre de question que Savi demandait, est-ce qu'on a fait le maaser sur le... Ouais, mais pourquoi elle est adobable, la question? Elle est... ouais, c'est une question de... En réalité, il n'y a pas tellement de nafkamina, c'est dans ce sens-là où c'est... Est-ce qu'elle est considérée comme du sel et du coup, elle n'est pas métana ou elle est considérée comme un mort? C'était pas chute que... c'est jumelard, quoi. Elle se transforme en ménard, c'est jumelard, ça y est, elle n'est plus là... Amalem met metame, Venetiv Menach metame. Le Menach il n'est pas metame. Ben Shunamit, le fils de la Shunamit aussi qui a été ressuscité par Elisha. Maou Shitame. Est-ce qu'il est Memet ou pas Memet? Il est ressuscité. Amalem met metame, Venchai metame. Non, il est Chai. Donc il n'est pas metame. Donc il est rentré dans leur question de Borout. Non, elles ne sont pas tellement Borout ces questions. Hein. Peut-être que. Mais pourquoi? C'est-à-dire que. Si tu dis que Ben Shunamit elle est. Tu peux commencer que... à faire. Il y a mieux de se poser ces questions quand même, c'est pas non plus. C'est quoi? Attends. C'est quoi qui fait que le mec il a une touma? Le fait qu'il y a une Neshama qui avait une Neshama à l'intérieur? C'est ça, non? Ouais. La Neshama elle est revenue. D'accord. D'accord, mais le truc c'est. Donc si tu lui as répondu, il a répondu que le Chai. Le Chai n'est pas métamé, mais maintenant tu veux te dire que voilà. Ah ouais, peut-être le bonhomme il doit se tromper. Là, le sang il est plus là, elle est quand même. Mais il a pas demandé si le mec il est tamé. Métamé. Métamé, est-ce qu'il rend tamé lui-même? Est-ce qu'il a toujours ce jean de mètre? C'est ça leur question. Leur question c'est est-ce que. Mais tamé. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Tu peux être tamé et ne pas rentrer. Rachid explique la question, c'est est-ce qu'il est Rachid Kemet dans l'état de ressuscité? C'est vrai que c'est une question. C'est quoi Rachid Kemet? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qu'il donne là. Il donne Touma. Est-ce qu'il transmet la Touma? Pourquoi tu voudrais que lui soit tamé? Je veux bien comprendre qu'il lui soit tamé. Pourquoi tu veux que lui transmette la Touma? Il est plus maître. Alors regardez la troisième chose. La troisième chose, c'est. L'Atil Lavo. Metim l'Atil Lavo. Les morts, donc après ta Metim. Srichim Matash Lishim et Jui, O N Srichim. Est-ce qu'on doit les purifier de la Touma Khmer? Parce qu'eux, ils étaient morts. Donc là, c'est la question que tu veux que je vienne. C'est la même question. C'est pas la même question. La première question, c'est est-ce que. La première. Après avoir été ressuscité, le Ben Hashunamit, est-ce qu'il est lui-même Metamé? Comment mort? Parce que maintenant, actuellement, il est dans l'état de mort. Ou alors, la deuxième question, c'est que là, il est pas dans l'état de mort. Je suis d'accord que maintenant, quand il est ressuscité, il est plus de mort. Mais est-ce qu'il doit quand même enlever cette touma qu'il a eu quand il était mort? Parce qu'il était mort finalement. Là, c'est une question de balle aussi pour Agmara. C'est pas une très bonne question. Ouais, c'est quoi la réponse? Je pourrais même pas te dire la réponse. Amarlem, le Kshirhu Nirkam. Même lui, il a pas l'air de donner de réponse en réalité. Il a dit lorsqu'ils vont venir. On va se poser la question. C'est-à-dire pour l'instant. Quand on y arrive, on verra. Pour l'instant, c'est pas le. Oui, Kadamri, il y en a qui disent que le Kshirhu Moshe Rabbeinu lui-même. Et quand il va être traité, il y aura Moshe Rabbeinu qui sera avec lui. Je n'ai pas compris pourquoi c'est Borout et pourquoi c'est pas. Borout, il faut comprendre que le sens de Borout, c'est pas complètement. Pas complètement idiot. Borout, c'est-à-dire. Je pense que c'est une question. C'est comme je vous ai dit au début, je pense que c'est une question où il n'y a pas tellement de nafkamina. Les questions que je pose, c'est des questions qui sont théoriques. C'est pas. Tachles à la Khalemaatse, quoi. C'est pas. Tu me demandes ce qui s'est passé avec le Melar. Bon, on peut réfléchir, mais ça a changé maintenant dans ta vie à la Khalemaatse, quoi. Ou l'histoire de mots quand il y aura très Messi, mais quand il y aura très Messi, on l'en fera. Sous-entendu, c'est pas pour avant, c'est pas actuel. Viens, on attend quand ça se pose la question. Qu'est-ce que ça te mène, toi, maintenant? Ouais. C'est peut-être. Shlosha divrei derechérez. Trois choses de derechérez qu'ils se sont posées comme question, les gens d'Alexandrie. J'ai la Gemara. C'est quoi derechérez? Tu vois. Maya, c'est Adam, veyirkam. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour devenir Kham? Un homme veut devenir Kham, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Amar, il y aura des. Amar, c'est une marque connue. Malin yarbe be yeshiva. Yemet bisroa. Moins de business, plus de yeshiva. Plus d'études. En gros, ils ont dit, arbe asim ken velo il l'aime. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui ont arrêté de diminuer leur business, qui sont plus dans le limoud et qui ont besoin de l'yachar plus khamim. Alors il a dit, et là, yébak shuva khamim mishach khumashelo. Faut demander. C'est quoi, il a. C'est-à-dire qu'il est revenu sur sa première réponse? Ah voilà, justement, moi il va dire. Alors moi il va dire pourquoi il a donné la première réponse alors. Et moi, il va dire non, moi je comprends que, en fait, les types ils sont partis, mais ils sont pas partis de demander. Parce qu'il faut les deux quoi. C'est moi, je vais dire. Moi je te dis que. Il y a Vachoua Mimisha Chokma Shelo, il y a marqué Hachem Miten Chokma. C'est Hachem qui donne la Chokma. Mi Piv Da Tuvuna, c'est de la bouche d'Hachem que vient le Da'at et le Tuvuna. Alors, donc, Tani Rabriya, donc après il dit, il donne un machin à cette réponse. Pourquoi quand je beaucoup, quand on demandera Chamim, il donne de la Chokma. Puisqu'il y a marqué que Machal les Melech Basar Vadam, Chassa Sivuda le Avadav, un Melech qui a un Basar Vadam qui a fait Sivuda pour ses serviteurs, me Shagar le Avav, Mima Shilfanav. Et il envoie du repas de la Sivuda à ses amis qui sont proches, les gens qui sont proches de lui. Donc, pareil, quand tu demandes à Rachamim Akadosh Baruch Hu, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu,
Donc quand je vous quand je vais distribuer la chokhma, je distribue à ceux qui sont proches de lui. Alors Mike Amashmalam finalement. Ouais, pourquoi il a besoin de dire Yabo et Yeshiva? Je trouve que le machin, il n'arrive pas à le coller. Yeshiva Kshura Khamim, c'est je quémande, c'est pas que je me rapproche de lui. Au contraire, quand je m'assois à la Yeshiva, c'est à ce moment-là que je me rapproche de lui. Quand je m'assois à la Yeshiva, et que je m'assois à la Yeshiva et que j'arrête un peu de Sora, là je me rapproche du roi. Il va Kshura Khamim, c'est comme si je lui demande. Okay, j'ai l'impression que le Rabbi Chaya il parle sur le. Pas sur la demande truc, mais il parle sur. Il joue Baïshiva, bon, j'arrive pas. Non, pas sur le Baïshiva, il parle sur la demande, mais en réalité, Rachid dit que aussi il a Nekuda dans le Machal. Moi j'ai compris la première fois quand il dit, mais Rachid rajoute un truc, c'est. Il dit que le Machal il est principalement pour dire que la Chokhma vient mis pif d'Akadosh Baruch Hu. Et puis elle vient pas dans notre Otsar. Donc pareil, Machal et Madar Domé, quand Amelech a une Tsouda, ce qui est devant lui, il envoie ses amis. Donc c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il donne à ses amis, c'est ce que c'est Mipiv. Et pas, c'est pas Mimot Sarah, Rachidi, je crois. Rachidi, Velo Mot Sarah. Kaka Chachoma, Shilo Avav, Shemakom, Nitnalem Mipiv, Velo Mot Sarah. Le Machal, il vient juste te montrer que quand il beaucoup les choses qui sont proches de lui, il les envoie à ses les gens qu'il aime. Donc la Chachoma qui est proche à la Kadosh Baruch Hu, c'est. La Chachoma de Torah, c'est. Kuchaberichu, Raita Chadou, c'est quelque chose de proche de la Kadosh Baruch Hu, Kaviachol. Donc ça, il le donne de sa bouche et pas d'un autre de ça. Voilà. Mais je pense que l'idée aussi, c'est ce que je voulais dire avant, que le machin est de dire que plus tu crois tu te pries à Kadosh Baruch Hu, plus tu te rapproches, et donc tu fais partie de ce Havav aussi. Bon, en tout cas, la gmara continue. Non, c'est toujours, c'est-à-dire que tu n'as pas de... c'est comme... Tu n'as pas une obligation de résultat, c'est-à-dire que toi, tu mets les moyens en place, et à Kadosh Baruch Hu, il donne les résultats. Non. Ça, c'est évident. Donc c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que là, moi, je mets tout en place. Je pense que ce qu'il en est, c'est comment faire en sorte que, en Kaviyachol, on arrive à faire réfléchir à Kadosh Baruch Hu pour qu'il donne à nous, qu'une fois qu'on a mis en place, après on a mis en place, on a fait l'Ishtadlut, mais qu'on l'infléchisse pour que ça arrive chez nous. Il faut aller là, quoi. Donc, moi, en tout cas, je me prends, on a besoin de proche, tu m'as dit alors, il y a bébé Shiva. Et on m'a dit parce que ha beloha lo sagia. Je ne suffis pas l'ensemble, tu veux pas. Je veux dire, genre, je veux le truc. Tu veux et tu arrives en place. Enfin, quelque part, comme il a dit, Rabbi Akiva, il est devenu très très riche. Il a pas un bébé Srora, il a eu 6 trésors. Et non. Donc, regarde, on va parler de bébé Srora juste après. Maya c'est Adam et Asher. Qu'est-ce que maman il fait pour devenir riche? Amalen, il y a un bisrora. Pour devenir riche, il faut faire du business. Hein, voilà. Mais il savait être un bémouna et aussi, bien entendu, faire du business avec confiance, correctement, pas de faire de magouille. Amroul, ils ont dit, Yarba, si tu veux le velo ilou. Il y en a beaucoup qui ont essayé de faire ça peut marcher. Et là, il y a Vakesha Khamim Mimichero Chercheo. Il faut demander, c'est lui qui distribue la richesse. Il y a Marlia, Kesef, il y a Dav. Alors, dis-moi, Mike, comment tu m'as dit, pourquoi tu me répètes deux, pourquoi tu me dis et ça, comment tu m'as dit, déjà, Beloa, l'Osagia. Ça ne suffit pas d'enfant. Mais pourquoi il n'a pas dit les deux en même temps, Rabbi Yeshua, quoi. Il a attendu que. C'est vrai que c'est machin qu'il a attendu qu'il leur pose la question. Ça veut dire. Ou bien il a dit. Il y a Choliot qui leur a dit au début la façon naturelle. Après, il a attendu qu'eux-mêmes ils soient mitororim de dire que finalement, naturellement, ça ne marche pas les choses. Mm-hmm. Pour qu'ils comprennent que finalement, ça vient de leur propre question, quoi, qu'ils se rendent compte que ben, finalement. On est obligé de dire que c'est un Kadosh Baruch Hu, quoi. C'est-à-dire que, lui, il leur a dit la façon naturelle. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire du business, t'es riche. Et ils ont dit, mais il y a beaucoup qui ont fait ça. Donc ils ont compris que finalement, tout ne vient pas de l'homme, quoi. Parce que l'homme, il a beau faire ce qu'il veut, ça marche pas. Et donc là, il leur a dit, vous avez raison, c'est un Kadosh Baruch Hu. Bon, en tout cas, il faut, ha belo halo saga. Alors, moi, je te dis, maya sadam veyi lo banim zechari. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour avoir des banim zechari? Amalaem isa isha hogenetlo. Faut qu'il se marie avec une femme qui lui convienne. Alors qu'il connaît des excuses de Farchim, c'est genre une femme qui saura éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah. Comme ça, il explique comme il je crois. Il te dit, Veikadesh Atsumu Shat Tashmish. Et qu'il fasse le Tashmish, Betsinu Trashidi. Qu'il soit Kadosh au moment du Tashmish. Amrou, ils ont dit, Arbe Asuken Velo Ilu. Il y en a beaucoup qui ont fait ça peut marcher. Et là, il va Kesh Rachamim Misha Banim Shelo. Il faut demander à Kesh Boku. C'est lui qui donne le. Qui a les maftechot de la Torah. Exactement. Shinemar, il est Nachalat Hashem Banim. Sera péri, baptême, si Nachat Hashem, c'est quand la Kadosh Baruch Hu, les enfants. Maïka Mashmala, de Habelo, le Sagi, il faut les deux choses aussi. Maï sera péri, baptême, c'est quoi le sera péri, baptême? Amar Bechamabar Bechanina, Beskar, Shimashin, Atzman, Bebeten,
C'est quoi le srar des fruits du ventre? C'est par le mérite que le mari, on avait déjà vu ça, que si jamais la femme est mazriatrila, ses enfants ils sont zéchariim. Si le mari est mazriatrila, c'est Zevit Snekor, on avait déjà parlé de ça. Isha Kitazria, Vialda Dachar, Isha Mazriatrila, Vialda Dachar. Le mari est mazriatrila, Vialda Dachar. Donc par exemple, je dis par le mérite ici que Mashkin Atzman Babeten, pourquoi la femme elle soit mazria. Alors là, ça fait. Ça je vous donne une récompense par rapport à ça. Parce qu'en réalité, si l'homme il fait un effort de se contenir pour que la femme elle puisse être mazria, alors là c'est par cette récompense là, par le strabo ça, que je vous donne des bannis. D'accord ? Très bien. Donc là maintenant on va revenir sur le sujet de notre Mishnah. On avait vu au départ, enfin dans la mission, on avait parlé du Oved Kohanim qui meurt, et après on avait parlé de la femme qui meurt. Comment est-ce que je vais mettre Tahor? Est-ce que toutes les femmes qui meurent, elles meurent d'après Beth Shammai, il y a son Nidot. Et d'après Beth Shammai, c'est seulement les femmes qui sont mortes, Nida, hein, qui sont Nidot. On avait parlé. Attends, moi j'ai Aïn, Aïn. T'as pas fait Samerté? Hein? T'as pas fait Samerté? Non, tu as dit Samerté. Oula, ça m'a fait. Aïn, Aïn Aleph. Aïn Aleph, ok, on va voir, on va essayer d'en faire. Après, on continue, donc là, on avait dit dans la Mishnah que. Bet Shammai Yomrim. Que toutes les femmes qui meurent, elles meurent Nidot. Voilà, exactement. Et Bet Shammai, il avait dit que c'est seulement la femme Nidot qui meurt Nidot qui sont Nidot. Maïtama de Bet Shammai, c'est quoi la raison de Bet Shammai? Pourquoi ils disent une chose pareille? Alors, si tu veux me dire, il n'est pas Mishnah Dirti Vatitral Khala Malka. Si tu veux me dire, parce qu'il y a marqué dans Esther, il y a marqué que dans la Esther, à un moment, elle a eu une angoisse, une peur, et il y a marqué que Vamara, mais la mèche est Pirsanida. Que, il y a marqué dans Megillah, que la femme Esther est devenue une Ida par la peur qu'elle a eue de Ahasuerus. Et Rachel, c'est pas, elle s'est affaiblie? Rachel, c'est une lâchée un petit peu de panique, de peur. Il y a marqué, c'est Jalopri, Batavona, Narot, Esther, Vetsarissa, Vagdala, Vestrachel, Rameod. Enfin oui, elle a eu une petite agacha d'angoisse comme ça. Une peur, une béala. Alors l'agma te dit, comment tu peux me dire une chose pareille? Et alors, quel rapport avec la mort? Donc pareil, bah, en mourant, elle va panique. Elles ont fini, enfin les robes des femmes, elles ont fini leur cycle, c'est-à-dire qu'elles sont opposées. Et alors, ça veut pas dire que t'es pas obligé qu'elles aient du sang. Ah bon? Ouais, elles peuvent avoir du sang. Elles sont sur la côte, c'est vrai qu'elles n'ont pas de. Il n'y a pas de rescate Touma, etc. Donc il n'y a pas de 24 heures avant, etc. Mais il y a une possibilité que par exemple, en 70 ans, elles aient par exemple une peur, comme on vient de voir là. Et... Exactement, ça leur donne du sang. Du mécor. Du mécor. Alors, Achadami, Agaf Beituta, alors pareil ici avec la peur du Malam Ramavet. Ouais, alors pareil aussi, des Malachademota. Khazia, elle va avoir du sang. Elle va dire, mais c'est pas possible, on a déjà vu ça, on avait vu ça au début de la Maseret. Enfin, plusieurs fois on a vu ça dans la Maseret. Que la peur, au contraire, ça la rend mais sous les quêtes. Là, c'est dans la ville, on a vu là-bas la femme qui rentrait dans un marbo parce qu'il y avait des brigands qui rentraient dans la ville. Elle s'est mise dans une cachette et il y a marqué là-bas que cette femme-là, elle n'est pas métamée Nida, même si c'était son V7, parce que la charada est à damim. La peur, ça lui enlève ça lui empêche d'avoir le sang. D'un côté, tu dis la peur, du mal à Ramavet, ça lui fait. Nida, le coup tu me dis enlève le sang, donc faut savoir. Moi j'ai le cachet. Par date samit, bik ou ta mère pia. Il y a la peur. La peur qui est une angoisse un petit peu dans ma tsav. C'est pas du genre je te fais peur. Là je te fais peur comme ça. Alors oui, ça peut entraîner du lanida. C'est comme le mal à Ramavet, là il vient pitom. Ça peut entraîner mal à Ramavet. Par contre, une femme qui est angoissée par rapport à une situation, elle a du stress, c'est une stress-angoisse. Comme le cas de la femme qui va se mettre dans le marbeau, c'est pas qu'elle ait une panique par rapport à un événement à une seconde précise. Et alors, Esther, c'est quoi comme panique qu'elle a eue? C'est un pitom. Alors, Esther, c'était peut-être différent, c'était pas vraiment une panique, par exemple. Parce que Esther, ça avait l'air d'être pas pitom non plus, mais bon, peut-être que si, c'était pitom finalement. En tout cas, ouais, parce que c'était au moment où Esther avait compris que Mordechai était en train de faire des taniot, etc. Ouais. Très bien. En tout cas, on nous dit ici. Et là, Ha'atnan, Adetnan, Bet Shammai, Omrim, Kohanashim, Metim, Zavin.
Ou Betchine Nomrim en Zav et la Michemet Zav. Alors, Tsamit, Pardat Tsamit, un Parat, ça déclenche. Non, c'est, ça bloque, fait, ça met Salek. Le Tetam et Rapia. Et la Beitouta, c'est une panique quand tu enchaînes une pousse sur place comme ça. Mais Rapia, ça relâche le sang et donc ça fait tomber le sang. D'accord. Très bien. Alors. D'accord, ok, donc on n'a pas répondu. Très bien. Une seconde. Donc on a toujours pas répondu, c'est quoi le Tama de Betchamay? Donc c'est quoi le Tama de Betchamay? Non, a priori on a dit. Si, on a dit le Tama de Betchamay, c'est qu'elle a eu la peur. Ah oui, c'est la peur. Maintenant, là, moi, il va poser une question, elle te dit. Mais voilà, je vais te montrer une autre Mishnah, une Braïta plutôt ici. Et dans laquelle il y a marqué qu'on parle plus de la. On parle du Zav. Que tous les hommes. C'est la même chose, que tous les hommes sont morts en Zavine, d'après Betchilel, c'est seulement le Zav qui meurt Zav. Alors là, moi, je ne comprends pas. Si tu dis que c'est la peur, que rapport... il te fait calme. Parce que si tu me dis que. Allez, on va prendre la logique. Alors, c'est la peur. On va prendre ta logique, on va l'appliquer au Zav. Mais un Zav qui est ruine Ziva. Mahamat Onso. Onso, c'est le Taor. C'est Taor. Il crée Khan applique ici, mais ça revoit le Mahamat Onso. Donc, tu ne peux pas le rendre Zav, le type. Parce que la peur, c'est un honnête. Et la Tama de Bet Shammai, tu ne peux pas dire que c'est ce genre-là. C'est autre chose. Qui est Tania marqué dans la Braïta. Barishona yumad bilim kelim al gabe nidot metot. Au départ, ce qui se passait, c'est qu'une femme qui meurt nida, ils prenaient leurs vêtements et ils les nettoyaient. Les vêtements, enfin, ils prenaient les vêtements qu'ils avaient avant de mourir et ils leur faisaient les trempes au milieu parce qu'ils disaient que cette femme-là était nida avant de mourir, donc il faut purifier son vêtement. Donc, et ce qui se passait, c'est que les vayu nidot rayot mid baishot. Les femmes qui étaient nidot de leur vivant, elles avaient honte. Elles disaient quoi, tu vois, même ce comment ils nous traitent, les khamim, que même quand on meurt, on a un statut différent des femmes qui sont théorotes. Même tu ne retournes pas avoir un statut de nida, mais en tout cas, la femme, elle avait un petit peu une petite gêne. On leur dit, ouais, c'était nida. Et après, on leur dit, ouais, regardez ce qu'on a fait à la nida, on a nettoyé ses vêtements. Mort. Donc, j'ai entendu que la nida, que les femmes, elles avaient grave un petit peu cette notion, Argachala de dire qu'elles sont nidales, elles sont mis de côté. Jusqu'à aujourd'hui, elles ont cette situation. Elles ont cette Argachala très forte. Donc, les femmes, elles avaient vraiment. Elles étaient gênées quand elles étaient nidales, elles se sentiraient impures, etc. Et plus tu leur ajoutais des trucs qui montraient leur impureté, une impureté particulière à elles, plus ça les. Plus ça les dérangeait. Alors, ce qu'ils ont fait, Mitaken de Khamit, c'est que n'importe qui meurt, les vêtements qu'il avait avant de mourir, on les trempe au milieu. D'où Bet Shammai. D'où Bet Shammai, exactement. Donc du coup, Bet Shammai, c'est presque, il est plus cool que Bet Hillel, là. C'est pas qu'il est plus cool, c'est que disons, il a fait pour le bien de ne pas faire entendre Nidot. Bah, Shonai Madbilin Kilim Algabe Nidot Metot, Fayon Nidot Rayot Mid Baishot, Ikinu Shayou Madbilin Algabe Kol Anashim Penekonach Nidot Rayot. Pour le Kavod. Pareil pour les Avim aussi. Bah, Shonai Mid Madbilin Algabe Zavin Metin, Zavin Chayim Baishim, ils avaient honte. Ikinu Shayou Madbilin Algabe Kol Anashim Penekonach Shel Zavin Chayim. Et quand il dirait que Bet Hillel, il tient pas ça. Aïcha, c'est très bien. Et c'est quoi la Aïcha Shemeta, une femme qui meurt. Et Yatsam Menarvid, dame. Au moment où elle meurt, elle a eu un révit de sang qui est sorti du Makor. Maintenant, le problème, c'est que ce sang-là, si c'est du sang d'Inda, il y a des règles. Si c'est du sang de Minamet, alors c'est Révit d'âme, c'est Metamet Borel. Il y a d'autres règles. Alors on te dit que Révit d'âme, il y a un révit d'âme qui sort aussi. Metamam Shunketem, Metamam Borel. C'est Metamam Shunketem parce que c'est du sang de Nida. Et bien entendu, la femme, elle a du sang de Nida. Son sang de Nida, a priori, c'est seulement quand elle est vivante. Quand elle est vivante, dès qu'elle meurt, ça s'appelle plus une Réia. Du sang de Nida, c'est seulement une Réia d'âme. Réia d'âme, c'est seulement quand elle est vivante. Dès qu'elle meurt, il n'y a plus de Réia. Ou Metamam Beoel. Rabbi Yehuda Omer, et là, Metamam Shunketem. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas de Ketem. Pourquoi il n'y a pas de Ketem? Parce que cette femme-là, elle est morte. Ni péné chez Nekar, ni chez Meta. En réalité, ce sang-là, il est sorti d'elle, il est sorti du Makor au moment où elle est morte. Par contre, il est modéré à Biouda, mais Yoshevet al-Majber, une femme qui est Yoshevet al-Majber. C'est-à-dire qu'elle est en train d'accoucher, comme Rahel, Menou, ou Meta, et elle meurt. Dans l'accouchement. Veyatsa Mimena, Révidam, et à ce moment-là, il y a un Révidam qui est sorti. Alors là, oui, sur Révidam, il est d'accord que chez Itmea, Mishum Ketem, parce que là, ce sang-là, il est sorti au moment d'accouchement avant même qu'elle meure. Amar Rabbi Yossi, l'efficace est un Metamam Beoel, vu que c'est Metamam Mishum Ketem, il n'est pas du tout Metamam Beoel, parce que finalement on va considérer que ce sang-là est sorti avant qu'elle meure. Très bien. L'Agma nous dit en tout cas, on va essayer de voir ici d'après Tanakama, si tu me dis que d'après Rabbi Yuda et non Metamam Mishum Ketem, Péchele Kamishemet, donc de là je déduis que Tanakama, ça va, Rafal Gav, Denekar, Dada, Mishum Ketem. Je savais qu'il dit ça.
Mais t'as même échoué Ketem. Alors l'agma, elle va dire que non. L'agma comprend qu'au final, apparemment, cette Metsiout-là, que le sang, il est né carte du vivant, c'est pas sur ce qu'on est d'accord. C'est-à-dire que si jamais Rabbi Yehuda, il dit que, tu sais quoi, moi je suis pas métamé parce qu'il est sorti, il est né carte de quand elle meurt, sous-entendu, t'as l'agma, il dit, même si c'est né carte quand elle meurt, j'entamais. Meshoum Ketem. Comment c'est possible, l'agma, elle demande. L'agma, elle dit non, c'est quoi la marveille, il m'a corné comme otamé Kabinayu. La fameuse marquette, Makor Mekomotame, ça veut dire que est-ce que l'endroit du Makor, c'est quand est-ce que ça passe là-bas, ah, c'est... ça rentre à mes là, même après la mort, ça change rien. C'est une marquette qu'on a déjà vu. On m'a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Michel et Tanakam, on avait vu que Rabbi Yehuda est d'accord dans l'histoire de la femme qui est à la Majber, qui est en train d'accoucher. Michel et Tanakam, lui, il pense que savoir Beoel n'a mis Métamé. Si tu dis que Rabbi Yehuda, lui, considère que ce sang-là, il n'est pas Métamé Beoel parce que c'est sûr qu'il est sorti de son vivant, ça veut dire que Tanakam, lui, penserait que c'est Métamé Beoel. Amara Yuda, l'agma te dit non, dame tvoussa ikabinayu. En réalité, il y a un dame, ce qu'on appelle le dame tvoussa, on en a déjà parlé avec le kodapim, c'est un sang qui est dérabat. Attends, là j'ai perdu le fil. Tanakama, il avait dit Mishum Ketem, Mutame Beoel. D'ailleurs, nous mettons Mishum Ketem, Nishinikamishin, ou Mede Rabbi Yuda. Donc c'est le deuxième cas. Donc Rabbi, et pour le Oel, il a rien dit Rabbi Yuda. Et Rabbi Yuda, il a dit non, il a rien dit. Rabbi aussi, il a dit que non, Mutame Beoel. Sous-entendu, Rabbi Yuda, il est Mutame Beoel. C'est Rabbi Yuda qui vient et qui te dit non, Mutame Beoel. Tout entendu, d'après Rabbi Yehuda, il est Métamé Boel. Comment tu peux me dire qu'il est Métamé Boel, c'est sorti du vivant? Non, Rabbi Yossi dit qu'il est Métamé Boel dans le cas de... Elle a accouché, mais dans le cas non, où... Elle a accouché, non, on parle de cas dans le cas de Tanakama... Dans le cas de Tanakama, Rabbi Yehuda dit que c'était Métamé Boel. Non, il n'a Métamé Mishum Ketem, il n'est pas Métamé Mishita. Ah non, dans Rabbi Yehuda, d'accord, oui. Rabbi Yehuda, il a pas parlé de Boel. Très bien, maintenant on parle du deuxième cas, du cas de Majda. Mais... A priori, il est Métamé Boel, Rabbi Yehuda, puisque lui, il pense que. Tout le monde pense que c'est après qu'il soit. Après ce qu'on vient de dire avant. Après la mort qu'il est sorti, c'est juste savoir si c'est le Mekor, il est errant. Donc c'est sûr que Rabbi Yehuda, il pense que. Maintenant, là, moi, je te dis ici que. Donc d'après Tanakama, a priori, on comprend, d'après Rabbi Yehuda, en fait, Tanakama, ici, c'est Rabbi Yehuda. On comprend que. Non, Tanakama, c'est Rabbi Yehuda. Mais si, là, il y a Modé Rabbi Yehuda, via Mishnah. Modé Rabbi Yehuda, Beyoshevet, Al-Majber, Umeta, Vyotsam. Ah, d'accord, c'est-à-dire que Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la même chose. Là, dans la deuxième partie de la Mishnah, il y a Rabbi Yehuda qui est Tanakama et Rabbi aussi. Rabbi aussi, il te dit les Fichach et Nametama Beoel, et Rabbi Yehuda, il n'a pas dit ça. Donc on a dit que Michal, que Rabbi Yehuda, lui pense que c'est Metame Beoel. Comment ça peut être Metame Beoel alors que je considère que c'est sorti de son vivant? Moi, je te dis dans Dame Tvoussa, en fait. Si on parle dans Dame Tvoussa, Dame Tvoussa, on a déjà parlé de ça, c'est quand une personne, elle a un sang, qui est, ça fait que si il est sorti de la personne. De son vivant, ou ça fait qu'il est sorti de la personne après la mort, et donc il a un statut de Touma Derabanan. C'est le Touma Derabanan ce sang-là. Le Dame Tvoussa. Le Dame Oel, mais on vient de dire qu'on est pratiquement sûr que c'est comme elle a accouché que c'est du sang de son vivant. Comment ça peut être du Dame Tvoussa? Alors justement, alors c'est quoi l'histoire? Alors l'Agma, elle explique, c'est quoi le Dame? Déjà, vraiment, l'Agma, elle va expliquer ce qu'est le Dame Tvoussa. Netanya, Ezehu Dame Tvoussa, c'est quoi le Dame Tvoussa? Alors l'Agma, elle va un petit peu se rentrer dans les détails de ça, parce qu'elle va proposer une chose et elle va revenir sur ça. Piresh Rabbi Eliezer Rabbi Yehuda, Arug, il y a un type qui a été tué, un mort, chez Yatsam Menoudam, donc il y a eu du sang qui est sorti de lui, Ben Becher Ben Bemoto, et il y a du sang qui est sorti depuis qu'il est vivant, et même après sa mort qui a continué à sortir, et ça fait que Becher Yatsa, ça fait que Bemoto Yatsa. On a un doute si le sang est sorti de son vivant, ou après la mort, ça fait que Becher Bemoto, ou peut-être qu'il est sorti entre les deux. Ce sang-là, donc on a un, ça fait qu'il est tamé maître ou il n'est pas tamé maître, donc là ce sang-là c'est le Zayoudam Tvoussa. Rachem te dit non, pas du tout. Te dit, si c'est un safek dame si est tamé le taor, on a des règles sur ça. Bechuta yachit c'est tamé, bechuta rabim c'est taor. Safek te dit bechuta yachit c'est kotamé, bechuta rabim c'est kotaor. Te dit c'est pas ça le dame de Foussa. Et là, Ezehu dame de Foussa, c'est te dit qu'à partir du moment où on a un safek, on a des règles par rapport au safek. D'accord? Le dame de Foussa c'est quoi? Il a Ezehu dame de Foussa, Arush yatsam emenu revit, dame bechayav ou bemoto. On sait qu'il y a du sang qui est sorti, il y a un revit en tout qui est sorti, il y a qu'un revit. Non, on sait qu'il y a une partie qui est sortie quand il était vivant, une partie qui est sortie quand il était mort. Ve'adayin lo pasak, il continue à avoir du sang. Ça fait que Rubo Bechayav ou Miuto Bemoto, ça fait que Miuto Bechayav et Rubo Bemoto. On ne sait pas quand est-ce que le Rov est sorti. Est-ce que le Rov est sorti du vivant? Auquel cas, ce qui va sortir par la suite, ça va s'annuler. Pourquoi tu dis Adayin lo pasak? Pourquoi c'est pas lo pasak? On a dit qu'il n'y a qu'un Revit qui est sorti. Il n'y a qu'un Revit qui est sorti. Ve'adayin lo pasak. Vadaïn Lopasak, pourquoi on a besoin de dire Vadaïn Lopasak? C'est une bonne question, une seconde.
Je sais pas pourquoi il m'a fait Vedaï dans le passé, parce que normalement, en priori, si on parlait que d'harcèlerie, c'est pas ça. A priori, même si c'est pas ça. Pourquoi on dit Vedaï dans le passé, je sais pas. Peut-être que dans le lendemain, on va le comprendre, je sais pas. En tout cas, moi, je te dis ici que ce sang-là, Safek Rubo Bechayav ou Miuto Bemoto, Safek Miuto Bechayav, Verubo Bemoto, et auquel cas, si c'est Rubo Bemoto, donc c'est Tmemet. Alors, moi, je te dis, Zéou Dam, tu fais ça. Ça, c'est ça le Dam, tu fais ça. Et Rabbi Uda Omer, Harouk Yassem Menou Revit Dam, Rabbi Uda, il te donne une autre halakha. C'est-à-dire qu'un Harouk qui a perdu un Revit de sang. Veya Moutal Bemita, il était allongé sur un lit. Vedamo Metaf Tef Leguma. Et son sang continue à s'égoutter dans un trou. Ah oui, je sais pourquoi je me rappelle pourquoi on a dit, pas ça. Parce que quand si c'est pas sac, alors il y a Choliot qui s'est mis de battel. Le pas sac pour vous dire qu'il y a une continuation entre les deux et que ce qu'on aura été, le sang finalement, s'il il sort goutte-goutte. Mais dans le premier cas, on ne parlait pas de goutte-goutte. C'est ça l'idée de le pas sac. C'est qu'en réalité, le sang n'a pas été posé, pas comme il a continué à se rester après. C'est que le passage dans le sens où le sang avant la mort, le sang après la mort, on sait qu'on avait avant la mort, on sait qu'on avait après la mort, mais c'était une continuation. Ah, c'est pas genre. Il n'y a pas eu un accident. Il n'y a pas de bitouline, c'est une seule ratira de sang, si tu veux. Le fait qu'il se séparait, donc c'est une seule ratira de sang, et donc il y a lieu de la considérer et de la fixer son ligne selon l'Europe. Okay. C'est maintenant, pas qu'il y a eu une partie avant, ça s'est arrêté, et une autre partie. Exactement. Maintenant, ici, on nous dit, maintenant on parle d'un cas comme ça, c'est Metastef Laguma. Alors on te dit que Tamé, c'est Tamé, pourquoi Pénicha Tipa Shalamita. Mais au réveil de beau, il dit, il y a la mort, il y a des gouttes qui sont tombées après sa mort, qui sont mélangées dans le sang qui avait commencé à couler déjà depuis son vivant, même si c'est vrai que maintenant le sang est son vivant, mais la goutte de la goutte de. Ça s'appelle pas. Et ça s'appelle pas sac, ça, ça. Non, ça s'appelle pas sac, ouais, c'est fictif. Donc pourquoi tu dis pas plutôt battel? On va voir que Rabiuda il pense pas battel. Il pense que N dame et battel dame. Min bébino no battel, c'est-à-dire Rabiuda, comme dans toute chance. Ah et nous on est, d'ailleurs on fait min bébino battel. Alors maintenant, regarde. Ça, sauf que c'est pas le même dame. C'est pas le même dame, c'est Minu et Mino. Minu et Mino. En tout cas, Sarahim te dit, mais Tarim, pourquoi Mipene chez Rishon, Nifsak. Tu vois, vu que ça c'était Nifsak, tu vois le même chose de Nifsak et Kidoar, ça s'est arrêté. Donc c'est Batel. Moi, je sais faire un argument que Rabbanan, ils ont dit Rabbi Houda. Chapir Kamri, les Rabbanan, Rabbi Houda. Et moi, je dis, non, Rabbi Houda, l'état amé. Donc Rabbi Houda, ça va être dans le Fichitato, comme on a dit dans Kouli, dans Minachot, c'est la fameuse de Rishon. Que Damar en Dame Batelda. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon Omer, Slouf Shel Et, imaginons aussi un type qu'on a crucifié. D'accord. Chez Damo, je suis peut-être l'arrêt. C'est son sang, il coule sur le sol. D'accord. Slouf, c'est une croix, on a crucifié, quoi. On l'a accroché sur le mur. On l'a accroché sur le mur et il saigne. C'est que chez Damo Chotet, la Haaretz. Venimtsa, Tartav, Revit Dam. En dessous, tu as trouvé un Revit Dam. On te dit que c'est Tamé. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est le sang qui est tombé après la mort. Parce qu'il n'est pas notre effet. En réalité, il est Chotet. C'est-à-dire qu'il coule Velon Ifsak. Et non Ifsak. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Bitoul ici. Parce que pour dire qu'il y a un Bitoul, il faut que ça retombe un par un. Attends. Si, ça là, 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 c'est Khachamim qui parle, Tamé. C'est Rabbi Shimon qui parle. Comme Khachamim, Jéhova. Lui, non. Parce qu'en fait, lui, il parle d'un autre cas. Il te dit le cas où ça n'a pas été Nifsak. D'accord. Si c'était Nifsak. Tout le monde était d'accord que c'était Nifsak, apparemment. Non, si c'était Nifsak, Rabbi Houda, il dit qu'il n'y avait pas de Bitoul. C'est Rabbi Houda. C'est le type qui n'a pas de Bitoul. Ça pas Nifsak. Ah oui, non, là, ça n'a pas été Nifsak, là. Là, c'est pas Nifsak. D'accord. C'est pas Nifsak. C'est pas Nifsak, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de Bitoul. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Il faut fixer selon l'Europe. Selon l'Europe, frère. Donc, il faut fixer sur l'Europe. Maintenant, le Nyan, c'est que là, on te dit ici, elle te dit que. Donc, c'est exactement ce que tu dis, Rabbi Shimon. Il te dit que. Tamé. Il dit que c'est Tamé. Maintenant, pourquoi c'est Tamé? Parce que. Vu que c'est une continuation, le sang qui va sortir la Kharamita, il va pas être Mevatel. Enfin, le sang qui va sortir la Kharamita, il va être Rouveau. Voilà. Le sang doit avant la mitra, excuse-moi. L'homme va t-elle aouder la charmita chez Warbe? Par contre, si c'est Notef, alors là, Rishon Batel. Non, j'ai pas compris. L'homme va t-elle? C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on dit? On te dit que, vu qu'il n'est pas Notef, il est Chotet. Il n'est pas Nifsal, ça continue. C'est pour ça qu'il n'est pas Mevatel. Le sang qui va arriver à la charmita, il va pas être Mevatel. D'accord, donc c'est Tamé. C'est Tamé, puisque il n'est pas Mevatel et il va être Rouveau. Très bien. Maintenant, la gouaille, Rabbi Houda, on rapporte Rabbi Houda, Rabbi Houda lui est Metaher, chez Ani Omer, Tipa Shel Mita, Omedetlo, Al Gaberet. En réalité, il te dit que le sang, après la mort, il ne coule pas sur le sol.
Il reste sur l'arbre. L'arbre d'anima. Donc en fait, lui dit que le sang du taille, il viendra jamais. Et le sang qui est en bas, c'est que du sang de truc. Maintenant, on va te dire Rabbi Yehuda, Neima, Iyo et Nafir. Rabbi Yehuda, il a qu'à dire, tu diras lui-même, pour le premier, dans le premier cas aussi, sur le lit, que le sang reste sur le lit. Il dit non, Shani Omer, c'est pas Shani Mita, ou Bédat Agaba Mita. Pourquoi il dit pas que sur le sang, sur le lit, que c'est le sang de la Mita, il reste sur le lit. Shani Mita, Demechal Khela. Il dit non, la Mita, elle peut faire couler le sang vers le bas, mais pas le Et. Donc c'est pour ça qu'on va dire que, dans le cas du Mita, le mort sur le Mita. Qui vient chez Adam, Mechal Khel, Derech Amita, Vezav, là. C'est ça, il transperce le lit, il va dans le sol. Alors que le voie, il absorbe. Très bien. Mishnah. Mishnah. Alors, on va faire un petit peu Mishnah rapidement. Barishona Ayu Omrim. Au départ, les Khamim disaient que Yoshevet Aldam Toa, Aldam Taor, Aïta Mahara Maimna Pesach. Elle pouvait faire le Korban Pesach. Alors pourquoi? Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Une idée, tu peux pas faire le Korban Pesach. Barishona Ayu Omrim. Non, parce que c'est d'être, mettre du sang, de l'eau sur le Pesach. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait une bassine dans laquelle il y avait de l'eau, et elle tenait la bassine, et elle lavait le corban déjà par exemple. Donc là on parle ici d'une femme qui est un dame Torah. Donc elle est ce qu'on appelle Tvulat Yom Aroch. Parce qu'on a dit que la Yoledet, normalement elle a 2 semaines où elle est Tmea, elle va migrer, et après c'est dans 80 jours qu'elle sera dans son process. Donc pour l'instant elle a un statut de Tvulat Yom Aroch. Un Tvul Yom, il est Metamecheni. Maintenant dans les Kochim c'est un problème normalement. Maintenant là le problème c'est que c'est pas des Kochim, c'est de l'eau pour laver les Kochim. C'est de l'eau qu'on doit garder bêta. Attends, c'est de l'eau pour quoi? Pour le laver le corban pessar. Le corban pessar mort ou le... Mort. Donc c'est de l'eau, ce qu'on appelle de l'eau chez Naasit al Taharat à Kodesh. C'est-à-dire que tu fais attention avec cette eau-là. Maintenant il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que de l'eau, quelque chose qui a été fait al Taharat à Kodesh, est-ce que c'est Tahor ou c'est Tamer? Est-ce qu'on considère ça comme du Kodesh ou comme du Khoulin? Si on se considère ça comme du Kodesh, on va montrer un lac qui est pour la Tiamarov, elle ne devrait pas pouvoir être intégrée avec ça. Parce que c'est du Kodesh. Si tu considères ça comme du Khoulin, donc on comprend qu'elle peut encore être intégrée avec ça, puisque le Chéni ne rend pas Shlishi dans Khoulin. Le Chéni rend Shlishi que dans Kodesh et Trouma. D'accord, donc c'est quoi qu'on va savoir? Si l'eau elle est Khoulin ou si. Donc exactement, l'eau que tu gardes et que tu préserves dans un état de Tahara, sachant que tu vas l'utiliser pour le Korban Pessah, l'eau elle est pas Kodesh, tu l'as pas rendu Kodesh, l'eau, elle est Khoulin. Mais elle est Khoulin, Shina Tsoubetara ta Kodesh. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a été quand même réservée pour le Kodesh. Khoulin Shina Tsoubetara, exactement. Donc là, je te l'ai demandé. Barishona Ayu Omrim, Ayushet al Dam Taor, donc elle est Tvoula Tchemaror, Aïta Mehara Maïla Pessah. Il lui autorise à faire une chose pareil. Khazroulomar, Ari Kemagat Mehmet, la Kochin. Ils ont été Khodrim Bahem. En fait, ils ont dit que la femme, pour les Kochin. Donc ils ont changé en fait le statut de l'eau, pour dire que c'est statut de l'eau. Qui est comme un Kodesh. En réalité, ils ont été chaudrés un petit peu sur 2 points, mais principalement c'est ça ce que tu dis, c'est que le fait que l'eau maintenant va la considérer comme du Kodesh, donc la femme ne peut plus la toucher, elle est Kemagat Mehmet. Maintenant, et la deuxième chose, c'est que finalement aussi, dans le Kelly, est-ce qu'on est chaudré jusqu'à toucher l'eau qui est à l'intérieur du Kelly, parce qu'elle n'a pas touché directement l'eau, elle est dans le Kelly. Chavrulama, Ari Kemagat Mehmet, la Kochim, Kedivre Betilel. Betchamayamrim, Afkit Mehmet. Ben Shammai et lui te disent que même Khlit Mehmet. C'est-à-dire que lui considère même si c'est Khoulin. C'est-à-dire que c'est pas. C'est-à-dire que. Mais c'est Khoulin peut-être. Qu'est-ce qu'il veut dire Ben Shammai? Ouais, Kanirai. On va pas tellement rentrer en Ben Shammai. Il dit Mamash a une cave à Touma, l'air d'un Kochim. Voilà. Ok, c'est comme un Ave Touma, Mamash. L'air d'un Kochim. L'air d'un Kochim, ouais. Ok. C'est pas là, parce que Magat Mehmet, c'est un Richon. Magat Mehmet, c'est Richon. Et là, tu mets Mamash. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est Rishon ou c'est Aratouma? C'est quoi la différence? C'est Rishon. C'est que Aratouma, il fait un rite pour faire du Rishon, c'est pas du Khoulin. C'est vrai que Rishon aussi, il fait du Chéni dans le Khoulin, mais c'est déjà un étage au-dessus. Alors, moi, je dis, mais arrête, il no gâte. Donc, j'ai compris qu'elle peut prendre un Kelly et renverser l'eau. Mais elle ne peut pas toucher l'eau. Pourquoi elle ne peut pas toucher l'eau? Pourtant, elle est Chéni. Elle est déjà mort. Donc, Alma. C'est comme du Kodesh. Alors regarde la Sefa. Chazgul Omar, Ryu Kemagat Mehmet, la Kochim. La Kochim in, les Khoulin l'eau. Ça veut dire quoi? Alors, Alma, Khoulin Shinasu, Tarata Kodesh, là, qui Kodesh d'Amou. Alors, moi, je te dis, maintenant, c'est une manière à Bachaoul. Notre Mishnah va comment à Bachaoul, les Tania. Bachaoul Omer, Dvoul Yom Trila, la Kodesh, les Tamé Shnaim, Venifsol Echad. Un Dvoul Yom, donc là, cette femme-là qui est Dvoul Yom, Dvoul Yom Aroch. Elle a un statut de Trila la Kodesh, de Trila Terichon.
pour le Kodesh. Et qu'est-ce que, en réalité, ce statut de Rishon à Kodesh fait qu'elle va te mettre Tameshnaïm et posséder Khat, c'est-à-dire qu'elle va aller trois étages au-dessus. Les Tameshnaïm, ça veut dire qu'elle va faire Sheni Shlishi, et le Shlishi va être faire que Revi, donc être que Possel, et pas Metame. Très bien. Alors, viens, on fait juste l'argent, on lit juste le début de la Mishnah. Umodim. Sheyuchlim. Sheyuchlet. Sheyuchlet be Maaser. Tout le monde est d'accord que cette femme-là qui est Mishnah Teldam Torah, donc la Yoledet, elle peut être Ochlet du Maaser. Ve Kotsal la Chala, et elle peut t'élever la Chala comme ça. Ou ma Kefet, et elle peut prendre la Chala et la rapprocher, parce qu'on va voir qu'on en a la Frachat Chala, il faut la faire Minadin. Mais Karadin, il faut la faire Minamoukar. C'est-à-dire qu'il faut que. La partie que tu veux rendre pas tour être karov de l'endroit où tu vas prélever. Parce que normalement, tu peux vraiment dire j'ai trois marques de pain, dans mon pain, je prends la chala pour aussi d'autres marques de pain. Et tu peux même faire ça. Je peux prendre si je prends pour les trois. Tu peux prendre pour les trois. Mais tu peux faire ça même chal, même dans une autre pièce, même chal, il faut faire une amoukaf, c'est-à-dire karov. D'accord. Maintenant, Vekoré la Shem, et elle peut être Kora Shem. Sur la chala, parce qu'en réalité, c'est quoi la particularité? C'est que tant qu'elle n'a pas dit Arezou chala, hein, c'est du khulin. Donc c'est vrai que les tigolatium, elle est chénie. Et c'est vrai que c'est un problème par rapport à la trouma. Parce que la chala, c'est comme la trouma. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas dit Arezou chala, bah, c'est du khulin. Ouais. Ce qu'on appelle, c'est du khulin à tavoul le chala. C'est du khulin qui contient de la chala, qui est tevel de chala, mais qui est, la chala, tu n'as pas encore dit quoi. Donc la trouma, tu n'as pas encore appelé. Donc maintenant, ici, on te dit ici qu'elle peut faire ça, la femme. Elle peut quoi? Elle peut l'enlever, même si elle est de volume, finalement, simplement. Ve'in nafal miroka ou midam tahara al kika, shel trouma, chez Utao. Ils sont d'accord aussi que le liquide de cette femme-là, il est tahara. C'est pas comme le liquide d'une zava, etc. On a vu que les mayanot azav, etc. Le roko, memeraglav, c'est tamé. Là, pour cette femme-là qui est chez Utao, tahara. On dit que c'est Marianote, elle n'a pas de Marianote en fait, c'est Tao. Sa salive, etc., c'est Tao. Bachama Ibrim, Trichat Vila Bachrona. Deuxième marloquette, la femme qui est Vila Chamaror, il faut qu'après les 80 jours, elle refasse un deuxième migvé. Pas seulement migvé au bout de 14 jours, même après au bout de 30 jours, elle refasse un deuxième migvé. Mais Tchelet dit non, elle a Trichat Vila Bachrona, pas besoin de faire une autre Vila Bachrona. On revient à la Gmaré rapide. Da Marmar, Taval Verala, Ochel Bemaaser. On avait dit quoi? Que Modim Shiyotel de Maaser, ça c'est très bien. Qu'à partir du moment où le Dvoulium il est sorti du Maaser, même s'il est Dvoulium, il peut manger le Maaser directement. C'est Acha. Maintenant, avec Kotsa Lachala, Khulin Advoulin et Khala, la Kechala d'amour. Donc je vois qu'un Khulin qui contient de la Khala, qui n'a pas encore été prélevé, bah, c'est un statut de Khulin, c'est pas considéré comme de la Khala. Donc c'est vrai que la femme elle peut le faire. Ou ma Kefet, la Marma, Mitzvah. La marma mitzvah l'trom inamukaf. C'est ce qu'on se dit. La marma mitzvah de prélever inamukaf. La marma mitzvah d'ilma atelemingaba me abaraï. On croit qu'on va être gozer peut-être qu'au moment où elle est korechem et qu'il va l'appeler chala. Donc elle n'aura plus le droit de la toucher. À ce moment-là, elle va le toucher de l'extérieur. Comment je parle qu'on n'est pas proche de ce genre de choses. Après, on avait dit vina fal la miroka. C'est d'abord son liquide. Et maintenant, mashkin vulium. Kemashkin anogea baem. Elou, et nam etamim. Ou du mashkin azav. Donc, on avait dit chez Avatuma. Le dav, lui, c'est Mayanot. Eux, ils sont Avatuma. Il n'est pas dav, lui, il est vulium. Il est vulium. Donc, c'est ça que lui, c'est. Maï benayou. C'est quoi, ils vont trouver chez Maïbetilel. On a vu qu'il faut tremper une deuxième fois. Est-ce que tremper une deuxième fois ou pas? Alors, Amarav Katinat, vulium aror, il a benayou. Si une marquette pour lui, plus vulium aror. De manière générale, est-ce qu'il a envie de refaire une deuxième tvila ou pas?